Bonjour tout le monde, bienvenue ce soir. On se retrouve sur du anneau. On va continuer la campagne Eden sur laquelle on était la dernière fois. Salut YouTube, on commence. Ah, attendez, j'ai un problème avec le casque. Et c'est parti. Alors, hop, on met la fenêtre avec le jeu et on part. Donc, où on en était la dernière fois? Alors là, pour le coup, c'est pas juste pour vous, c'est aussi pour moi parce que ça fait un petit moment, je crois que ça fait une semaine qu'on n'a pas joué et il s'en est passé des choses. Un bateau qui coule. Et ça, moi je pense qu'on voulait le revendre. Hop, qu'est-ce qu'on a gagné là? Ça, ouais, ça on va le revendre. Hop, on dépose ça ici. On fout ça à la poubelle, enfin dans la poubelle de la mer. Alors, est-ce qu'on essayait de faire monter les échos, les ingénieurs échos? On avait fait les boissons et C'est on pas y a. toujours Est-ce facile qu'on a ici. accès aux Mais nous ne boissons? sommes pas les plus mal Non. lotis. Est-ce qu'on fait des plates-pâtes? Qui fait des pâtes? Je crois que c'est ici. Ah oui. Déclaration de guerre entre voisins. Hop. Je peux l'acheter? Bah, je vais l'acheter, comme ça il sera L'action pas de l'île majoritaire. change de propriétaire. Voilà, le temps de reprendre, on va perdre un peu de temps, mais après on sera bien. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Réfléchissons donc. Est-ce qu'on produit du verre ici? Voilà, c'est ça qu'on voulait. Et on est au max de la production de verre. Les légumes, du blé, des plates-pâtes. Toi. Déclaration de guerre entre voisins. Voyons voir la route. La route, légumes, 1, 2, 3, mais j'ai l'impression qu'il a quelque chose en trop là. Non? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc on vend Chacun ça. peut être prêt à tout. Très Qu'est-ce que intéressant. tu me vends en échange? En quoi Global Trust peut-il vous être Des utile? objets. Ça, qu'est-ce que c'est? Plus 10%, c'est pas terrible. Les fertilités de légumes, on s'en tape. Ça c'est intéressant, non. Coordonnées sous-marines, bah non, on vient de t'en vendre. Améliore une usine bionique, non. Ok. Donc, ce qui s'était passé la dernière fois sur le stream, on avait fortifié tous nos ports, parce qu'on n'arrêtait pas de se faire attaquer par les Bon, pirates, et depuis les on pirates se va sont jouer un au peu chat et à calmés. la souris. Les liaisons donc passent par les trois ports. Voilà, ces trois ports-là. Et maintenant, ouais, les pirates nous laissent plutôt tranquilles. Ils peuvent nous attaquer que entre les deux, mais ils n'ont pas assez de DPS pour détruire les bateaux avant qu'ils arrivent dans ces coins-là. Et dès qu'ils arrivent dans ces coins-là, ils se font éclater. On est à combien de tech? On est à 900, il nous en faut 950, 350, 1200, 950. Donc le prochain palier, c'est 950. Ici, on avait. Ah, mais voilà, on venait juste de faire tomber les chercheurs. Les chercheurs qui ont besoin de ça. Et c'est quoi ça? Des médicaments. C'est ça? Des médocs encore? Non, mais les mecs se dopent totalement là. Médicaments. Attends, mais attends. Ils bouffent des alicaments. Que Donc tous ceux qui des. veulent jeter un coup La d'œil à bouffe mes nombreuses médicamenteuse. marchandises s'approchent. Boisson alicament, hein? Ah, vas-y. En Énergisante. cas de besoin, je pourrais confirmer qu'il s'agissait Et d'une ça. légitime défense. Chouchouchou. Médicaments immunogènes. Ouais, bah, clairement, les mecs, c'est des traders, quoi. Ils se dopent à fond. Donc. Pas du tout adapté à faire ça. Alors, il nous faut du corail. Et ici, on a quoi? Culture d'éponge, manganèse et des algues. Donc, faut qu'on trouve une nouvelle île souterraine. Sous-marine. On va envoyer notre petit pote en exploration. Parce que le truc, c'est que là, en fait, on voit les îles. Par exemple, celle-ci. On va l'envoyer là. On voit cette île, mais on ne voit pas en fait ce que l'on peut cultiver dessus. Si cette île possède ce qu'il faut, bon alors au-delà du fait qu'elle L'île est hyper voisine loin. est menacée par une Ah, marée noire. merde. Ah bah toi tu vas être content.
Alors, on va aller récupérer ça après. On n'a pas un bateau qui traîne là? Attendez, c'est H, je crois. Non, c'est quoi pour voir. L'utilisation de l'île. Non, il n'y a que toi qui sert à rien. Ah non, ici, pareil. Que des éponges. Des modules. Ça doit être des petites îles. Alors, faut chercher encore une petite île. Ah, toi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Salut le pacificateur, ça fait plaisir de te voir. Coordonnées de la nouvelle île acquise. Là, nous avons une marée noire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bateau qui transportait du pétrole. Il a explosé. Et quand un pétrolier explose, en fait, du coup, il y a une marée noire. Et il faut envoyer un navire incendie avec un équipement détecté. Particulier. Ou désolé. Attendez, hop, faut qu'on règle ça avant. Excellent. Que ça dégénère. Je te réponds tout de suite, le pacificateur. Je finis ça et je suis à toi. Écoute, c'est de la merde. Exactement. Bah, exactement, c'est de la merde. Exactement. Hop, voilà, comme ça. Et du coup, faut envoyer un navire pour aller nettoyer la côte. Si on nettoie pas la côte, le bilan économique, le bilan écologique de l'île tombe à -999, donc le maximum. Qu'est-ce qu'on a sur cette île? L'incendie a été pas ce qu'on veut. Donc, comment ça va? Bah, moi, ça va bien, écoute. T'as raté le stream, t'étais pas là, c'était lundi. On a joué à Rebel Galaxy, je sais pas si tu... J'ai joué à Rebel Galaxy et je l'ai présenté aux gens. Je sais pas si tu connais. Et c'était vraiment pas mal. Et sinon, écoute, ça roule. Et toi? Donc, tant mieux, hein, ça n'a pas explosé près de nos côtes. Et du coup, on va aller récupérer ça, c'est sûrement du pétrole. Bon, écoutez, c'est toujours ça en plus, hein. Nouvelle île localisée. Non mais c'est une blague, je tombe sur aucune île. Ah mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de... Bon attendez, ce qu'on va faire, je le fais sortir. Mon PC a vécu ces dernières heures, actuellement je suis sur mon phone du taf. Oh merde. Ouais c'est bien ce que je me suis dit ça se trouve, là c'est... Ton PC est mort, et bah tu vois, j'avais eu la bonne intuition. Ah merde, c'est chiant du coup. Qu'est-ce qui vous amène ici? SAAT déploie ses navires de recherche. Ah ouais, putain. La galère. Ouais, puis moi, une fois, j'avais dû... mes parents avaient perdu leur PC, mais ils voulaient récupérer. Il y avait plein de photos. On avait été chez un informaticien et ça avait coûté la blinde. Alors, qu'est-ce que t'as récupéré? Et oui, c'est bien ce que je pensais, du pétrole. Du pétrole qu'on va ramener sur cette île-là, parce que c'est ici qu'on consomme un max de pétrole. On en est où? Hop, du pétrole. Et oui, on en est à zéro, et vite fait ça. Ouais. Ouais, toujours la procrastination, c'est l'enfer, ça. C'est pareil, moi j'ai ma bagnole, faut que je fasse une révision, un petit moment que je me dis ouais, je le fais plus tard. Alors je me rappelle plus, où est-ce qu'il n'y a pas d'infos ici? Hop, si je fais ça. Je vais peut-être mettre la caméra ici. Avertissement. La caméra. Véhicule attaqué. Non, toujours pas. Je veux sélectionner ça. Et voilà, je crois que c'est ici. Alors, je sais pas si t'as vu, mais j'ai un nouveau overlay. Enfin, juste pour la caméra, mais... Mais quand même, c'est nouveau. Véhicule attaqué. Attaque de pirate. Oui, c'est pas grave, lui, il n'y a pas de problème.
Alors, toi, tu vas repartir à la conquête des fonds marins. Ouais, autour de la cam, voilà. Exactement. J'ai fait ça ce week-end. Quelle audace. Non mais sérieux, à tous les coups sur cette île. Attends mais c'est incroyable. Là j'ai découvert le plateau marin. Et là on est à la recherche d'un plateau marin qui puisse accueillir des cultures pour les docks. Ah peut-être ici, viens ici. Alors peut-être que... Ah oui, alors du coup on avait regardé, peut-être qu'il n'y a pas besoin forcément de... Peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin de comment... À construire sous l'eau, cultive du corail. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de culture de corail. Nouvelle île localisée. Ah bah oui, du coup... Ouais mais non, j'ai l'impression que c'est ok. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Cette île-là, elle est pas trop intéressante. Là, on a de la géothermie sur cette île. Ouais, on a de la géothermie. On l'a déjà bien entamé, hein, celle-là. Tu me chasses, toi, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, tu me chasses. J'avais pas un bateau armé. Ah ben j'ai dû me le faire détruire aussi. Bon c'est pas grave, maintenant on en a plus besoin, on joue sur de la défense. Bah ben, j'espère que tu pourras récupérer... Ah bah ben, non mais là tu pourras pas de toute façon maintenant, tu pourras plus récupérer tes dossiers. Ah si, si tu récupères tes dossiers tu pourras récupérer tes sauvegardes. C'est quoi ça? Culture d'éponge, ouais mais c'est pareil hein. Ouais, on peut pas, hein, y a pas de... Où tu vas? C'est par là qu'il faut aller. Ouais, bah ouais. C'est sûr, je comprends. Non, pas ça. Ah, c'est toujours la galère, hein, par contre. Hein. Dès que tu perds tes dossiers PC... Donc ici, c'est infernal, hein, sur cette île. Là, le mec vient en enfer. Avec sa marée noire. Donc elle disparaîtra pas tout seul, toute seule. Hein. Faut créer, là, c'est ici. En fait, on va dans le laboratoire et on crée ça. Voilà. Une pompe d'effluent. Permet de nettoyer une côte polluée. Alors, tiens. Et tu viens ici pendant que je vais essayer d'installer. Alors, en mode sous-marin, un nouvel entrepôt. Il va venir se positionner ici. Ici, c'est bien. Hop. Je suis à ça de m'acheter un Lenovo, mais la carte graphique est limitée à que 8 et que... Ah oui, et que 8 Go de RAM. Ah ouais. Ah ouais? Ça dépend, c'est quoi ton budget? Si t'as pas envie... Après, t'as peut-être pas envie d'en parler là, mais si ça te dérange pas... c'est combien ça, de champs? 3 cultures. Ah oui, ça ressemble à ça, ça ressemble à rien, c'est chiant ça. Ah, faut que je crée en fait un nouveau... je suis bête. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Ah ouais, à 800 euros, ouais, non, tu t'auras pas...
là là. Je suis en train de perdre des ressources tout bêtement là. Partie parce que je récupère que la moitié des. Que la moitié. Hein. Ah, j'aurais dû. Ouais, on va faire ça autrement. Tac, tac, tac. En attendant, toi tu vas me récupérer. Voilà. Du carbone, c'est du carbone ça. Ouais, pour 800 balles, je sais pas si tu vas avoir quelque chose de dingue quoi. Comme ça. Avertissement. Production interrompue. On s'est très mal rangé, hein. Mais bon. Une route. Ah ouais, carrément, ouais. Moi, les batteries et tout, elles sont plus démontables, ça c'est infernal. Et le reste, on est d'accord, hein, mais déjà... moi, quand je me suis rendu compte que les batteries, je pouvais plus les démonter, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, super ». Alors ça devrait être suffisant maintenant. De l'agriculture transgénique. Ah ouais. Hein. José Bové aux anges de chez moi. Ah pareil, ça aussi, c'est des trucs. Ah là, ils se sont amusés avec. Ah mais non, attends, c'est parce que je suis en train de construire. Ouais. Oui, c'est parce que c'est ce que je suis en train de construire. C'est moi qui suis débile. Alors ça par contre c'est facile à mettre, c'est des tout petits trucs. C'est juste qu'il y en a 5. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de mettre? Là, on est en train de mettre des plantations de corail, c'est ça. Hop, et on est en train de s'organiser pour en mettre un maximum qui se touche. Hop. Faut pas oublier de laisser un passage pour la route. Et toi, tu vas... J'aime beaucoup la petite musique qu'il y a sous l'eau, elle est très relaxante. On est posé. Alors on n'a plus d'électricité aussi. Hop. Alors, je parlais carrément pour les démonter. Comment tu fais pour les nettoyer à l'intérieur? Ouais, ouais, bah ouais, c'est vrai aussi. Ouais, de toute façon, ils font tout pour ce que... T'en rachètes un autre. À construire sous l'eau, ça, ou pas? Non, pas à construire sous l'eau. À construire ici. On va essayer de faire des trucs un peu jolis là. Non. Faire ça comme ça. 1, 2.
Qu'est-ce qu'ils ont à me proposer comme truc sympa? C'est quoi ça? Ça prend 2. Ok. Alimentation en énergie inadéquate. 2. D'ailleurs, on va mettre des autoroutes ici, hein, parce que c'est... On veut que ça aille vite. Et alimentation en énergie inadéquate, du coup, on va rajouter des éoliennes. Pouf, dis donc, je viens de manger, ça... Ça me pèse, hein. Ah, c'est pas assez. Ah oui, c'est vraiment pas assez. Ah putain, je suis encore à moins 1. Voilà. C'est bon ? Fin d'un conflit militaire entre voisins. Alors, où est-ce qu'on en était ici ? T'as donné tout ce que t'avais, donc toi tu retournes. Tu retournes comment te sauver ? Pour t'abriter. Oh ! Donc, quelle est... C'est la tech. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est trop bien, on a un très gros navire. Donc, c'est à la quoi, c'est ça? À la quoi? À la quoi, faut qu'on charge maintenant d'autres aliments... Enfin, d'autres... D'autres marchandises. Et le corail est ici. On décharge ceci et cela. Avec ça, on va pouvoir alimenter... ces usines qui vont fournir... Des usines médicamenteuses et donc entre voisins. Augmenter le niveau de bonheur de ces gens-là. Je suis à moins 430 par contre d'income, donc il va falloir que je reconstruise des habitations. Véhicule attaqué. Attaque de pirates, on regarde quand même, non, il n'y a rien de grave. Donc, on va se focus un peu sur les techs. Qu'est-ce qui nous manque des outils? Hop, on va aller chercher des outils ici. Ça va niveau bouffe pour les copains? Ouais, c'est nickel. Parce que lui, il prend non. Et toi, est-ce que tu m'en amènes? Ah, attendez un instant. Oh là. Qu'est-ce qu'ils me disent? N'importe quoi. Ubisoft qui craque total. Il me dit mon code sécurité. J'ai mis mon code sécurité il y a une plombe. Secrète, comme pratiquement tous. Et là, il m'envoie votre code sécurité, le machin. Donc, on ramène des marchandises ici, vu qu'on va se focus sur cette île-là. Non, non, c'est Tude. De quoi Tude? Non, 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 t'inquiète. Non, non, mais c'est ma boîte mail, elle est sur mon téléphone de toute façon. Non, non, c'est Ubisoft qui me disent que... Parce que tu sais, j'ai activé... En fait, je regardais un stream d'AlphaCast il n'y a pas longtemps. Et il parlait qu'il s'était fait hack tous ses comptes à un moment, quand il a commencé à avoir son gros boom Internet. Et comment... Et du coup, j'ai commencé à mettre de la double authentification partout. Je veux pas être dans la même merde que lui. Il a expliqué que ça avait été un des pires moments de sa vie de streamer. Hop, hop, hop. Tude, c'est un misclic sur entrée. Ah oui, d'accord. Oui, je viens de comprendre. Mais non, j'ai pas fait de misclic. Non, d'accord. Oui, je viens de comprendre.
Pourquoi je peux pas le faire augmenter lui? Sont excellentes. Et, hein. Je suis sur le point de faire une D'accord. Décision. J'ai plus de matériaux. Oui, je comprends. Donc, on va refaire des domiciles. Ah oui. Ouais, si on fait pas les choses dans l'ordre. Tac. L'organisation ne peut pas se permettre la moindre faiblesse lorsqu'il s'agit de nos... Alors, Yana Rodriguez, vous détruisez un navire avant qu'il atteigne Vladimir Sokov. Non. Vous êtes très efficace. Non mais oui, je suis très efficace. Oui, oui, j'ai la double identification, mais si tu veux, tu te le proposes, mais t'es pas obligé de le faire. Et il y a sur certains trucs où je l'ai pas fait. Et c'est bête, tu vois. Et du coup, là, je suis en train de regarder où je l'ai fait. Oui, 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 je suis sûr. Par exemple, mon compte Steam n'a pas de double authentification. Jusqu'à demain. Demain. Donc, hey, vous savez vraiment ce dont un super cerveau comme le mien a besoin pour vivre. Merci. Toi, tu vas recevoir bientôt tes boissons, là, je vois. Ah oui. Pourquoi tu vas pas sur Steam? T'aimes pas? Ah ouais, ouais, ouais. Combien ça coûte, ça? 10 000 dollars. Ah mais non, mais je l'ai construit. Mais n'importe quoi. N'importe quoi, cet homme. J'ai quelque chose à faire, mais je ne peux pas quitter mon laboratoire. Non. Non, bah tant pis, hein. Ça coûte trop cher, le carbone. Ah, j'en ai combien, là? Ouais, non. J'en ai plus du tout. Vous avez vu ce reportage à la télé? Alors, où est-ce qu'on en est des provisions? Ici. Pourquoi j'ai de la... des aliments ici? Où ça? Oui, bah vas-y, tu peux acheter. Ah, ça c'est intéressant, je crois. Oui, c'est un générateur de boucliers, ça. Ça c'est pas mal, ça. Est-ce qu'on n'achèterait pas une action sur cette île? Hop. Achat d'action enregistré. Parce qu'il faut vraiment qu'on achète nos actions avant qu'on se fasse voler notre île. Et plus on les achète tôt, mieux c'est. Donc, on voulait vérifier les stocks, voir si on pouvait pas construire des nouvelles baraques ici. Donc ici, on est vers les surplus. Là, on va vers les surplus tout doucement. Et ça, ça n'intéresse pas. Ouais, on n'est pas encore les transmetteurs. Ah oui, par contre, on n'a plus d'aliments diététiques. Parce qu'on n'a plus on n'a plus de légumes. Ah bah ouais. Et il n'y a pas quelqu'un que tu connais qui peut te... À qui, une personne de confiance à qui tu peux filer des codes. De la production. Des codes et tout pour qu'ils te le prennent. Il est où, Trenchcoat? Trenchcoat est là. Objet, qu'est-ce que t'as à vendre? Ouais, ouais. Graines de riz. Comment je fais déjà? Comment je fais pour... est-ce que tu te rappelles comment on fait pour virer ça? Cette île se bat, son bilan écologique est systématiquement mauvais. Ouais, je crois qu'on peut... Attaque de l'un de vos véhicules. Ça, on s'en fout. Non, je fais confiance à personne. Ah. Et au boulot, t'as pas... Ouais, bah non, c'est compliqué après au boulot. J'ai pas un pote et tout. Du coup, bah on va reconstruire des fermes, écoute. Hein. On n'a pas le choix. On tourne à combien de toute façon? Ouais, on tourne à 80%. De toute manière, c'est que on produit tout simplement pas assez de légumes.
partie sauvegardée. Ouais, allez. On va se mettre là. Ah non, on peut pas se mettre là. Ah, c'est de la perte de place à plein gîte. Ah oui, putain, 800 balles. Ah, ça fait mal, hein. Annonce d'une déclaration de guerre entre voisins. Hop. Je suis un peu silencieux, je réfléchis un peu à... Ah, évidemment. Je bouge ma souris au moment où il faut pas. Hop. Toi, tu te traînes un peu ici. Soit tu portes plainte, soit tu peux rien faire. Je n'avais... Attends. Je prends l'exemple d'un collègue qui a perdu 800 euros à cause de son fiston sur Fortnite. Je l'avais aidé en appelant Sony. Fortnite, ça appartient au Sony. Soit tu portes plainte, soit tu peux rien faire. Déclaration de guerre entre voisins. Je savais même pas que Fortnite ça appartenait à Sony. Toi, je peux pas te caler autre part là. Comme ça peut-être. Et là, si j'arrive à caler un nouveau champ, c'est faudrait que je descende d'un cran. Non, il n'y a pas assez la place ici. Ici, c'est la merde. Bon, on verra après. J'aime pas ici. Mais je l'ai fait comme un nul celui-là. Là, tu dégages. Voilà. Hop. Ah oui, d'accord. Je vois. Ah, oh, j'en ai marre de jouer au Lego là. Et ben voilà. Ça fait un peu mieux quand même. Ah non, je peux pas faire comme ça. Je sais plus. Qu'est-ce que je disais sur un jeu? Sur ce jeu-là? Je sais plus. Alors là, tu vois. Mais toi, t'appartiens à qui alors? T'appartiens à ça là? Ah, t'appartiens à lui là. On est d'accord, ouais.
Ah, je me rappelle plus. Alors là, franchement, c'est le trou noir. Je sais plus ce que j'ai dit. Sûrement une remarque d'un truc qui s'est passé sur le coup, si c'est par rapport au jeu, mais... Non, bah laisse tomber. Si ça me revient, je te dirais ah oui, mais alors là, comme ça, il y a de fortes chances que ça reste. Avertissement. Production interrompue. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas retrouver rapidement un PC. Ah oui, mais non, parce que moi je construis là, mais... Non, je fais n'importe quoi, là. Je fais n'importe quoi. Hop. On va faire une nouvelle zone de construction. Pour les fermes, là. Par là, on va aller... on va... s'étendre par là. De toute façon, ça faut en faire un max, hein. on va en avoir bien besoin. Hop, et on tourne. Un. Non, mais la dernière fois, j'étais complètement bourré hein, quand je faisais mes fermes. Hein. Avertissement. Véhicule attaqué. Les offres sont pas folichonnes, ouais. Ouais, à vrai dire, tu vois, moi tu vois, je me suis fait un peu mal au cœur aujourd'hui. J'ai été voir les offres de voitures parce que la mienne commence à dater. Et il faudrait que j'aille en racheter une. Mais alors, pouah, ça me fait tellement chier d'acheter une bagnole. 3. Ça rentre pas là? Comme ça plutôt. Hop. 6 sur 5, ça ne sert à rien. On va essayer d'en caler un petit dernier là pour le plaisir. Tac. Ben voilà. Ouais. Bah c'est ça. Moi ma dernière voiture, j'avais acheté ma première voiture que je me suis acheté personnellement. La première voiture que j'ai eue c'était une reprise de la famille. Alors tu vois le bol, la grosse chance tu vois. Mais la première voiture que je me suis acheté c'était un quasi neuf. En fait c'était une voiture de qui sert à faire des démonstrations. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu... je l'avais eu à genre moins... je crois moins 15%, donc bien sûr, hein, ça fait beaucoup sur une bagnole.
Et du coup, j'avais été très contente de ma voiture, hein, parce qu'elle tourne bien, hein, franchement. Et puis, j'ai pas mal bourlingué quand je partais en vacances et tout. Nickel, pas de problème. Hein. Et là, du coup, j'ai regardé pour des occasions. Et c'est vrai que c'est tentant, parce que tu te dis, putain, c'est pas cher, quoi. Mais... Voilà, mais... C'est ça là, le truc, c'est qu'on se dit mais une épidémie, ils sont malades ici. Hop, vous voulez un petit hôpital? Et on va vous mettre des nouvelles maisons là. Avertissement. Alors, arrêt complet de la production. On va faire comme ça. On va faire ça correctement. Hop. Voilà. Et voilà. Hop, ils ont besoin d'une route ici aussi. Bon, allez, tant qu'à faire. Ça sert à rien d'en faire trop non plus. Autant tu auras des problèmes, il faudra trouver un garage et ce n'est pas garanti qu'elle soit. Qu'elle sera top après une première ou une deuxième visite. Ouais. Quand tu dis une visite au garage, on est d'accord, pas au contrôle technique? Ah ouais. Avertissement. L'ennemi détient la majorité des actions. Ouf. Danger de prise de contrôle de l'île. Tac. Eh ben non. Je gagne assez d'argent pour racheter mes affaires. Ouais, bah oui. En vrai, si elle passe plusieurs fois le contrôle technique, ouais, t'es bien. Hein. Deux contrôles techniques déjà. Là, je lisais. Je lisais. Attaque de l'un de vos véhicules. Attends. Tac tac tac. Je suis. La moyenne de vie, c'est 7 ans. 7 à 10 ans. D'une voiture en France. Pénurie énergétique détectée. 7 ans, c'est pas beaucoup, hein. Au moins 9, tu ne te fais jamais chier avec le garage, c'est sûr. Mais après, c'est sûr que 9, il y a aucun problème. Hein, t'es tranquille. Enfin, il y a aucun problème, attention, hein, parce que tu peux avoir des emmerdes. Attends, je vais régler bien, mais mieux la caméra, comme ça, parce que là, j'ai l'impression qu'on voit un peu trop l'arbre dans ma tronche. Voilà. Là, le 9, c'est vrai que en règle générale, t'as pas de problème, mais ça peut arriver que tu te retrouves emmerdé parce que bah, c'est peut-être pas la bonne bagnole, quoi. T'es tombé sur. T'es pas non plus exempt de problèmes, quoi. Moi, par exemple, j'ai ma belle famille qui avait une voiture. C'est formidable ici, non? Bon, la vie c'était une voiture de super bonne qualité. Ils ont eu pas mal d'emmerdes, quoi.
Comment ça, tu payes pas le garage? Ah bah, si t'es sous garantie, oui, mais... Puis ça dépend encore les problèmes, hein. C'est pas tous les problèmes, hein. Pourquoi toi, tu veux pas monter Ah non, c'est pas 10 ans, hein. Ah non. Sortir des sentiers battus pour en tracer de nouveau. Enfin, ça me plaît. Je crois que le max garanti, c'est Kia et c'est 7 ans. Alors, ici ils sont très contents, on va commencer à les faire augmenter. Ah, c'est quoi qui manque? Production. Je crois que j'ai trouvé la formule du bonheur. Hop, petit bateau qui charmante femme. Est ici. C'est pas mal ces petites remarques là, je crois avoir trouvé la formule du bonheur, il me manque plus qu'une femme, voilà. À interpréter. Comme vous le voulez. Ah non, t'imagines, 10 ans, le garage gratuit. Putain, les pauvres garages, t'inquiète que moi j'y serais allé beaucoup plus souvent au garage. Hein. Parce que moi j'ai eu... J'ai pas eu d'emmerde qui était liée à la bagnole, mais... Non, ça serait trop facile sinon, là. Cette ville est une bénédiction pour la science et la recherche. Non. À moi le prix Nobel. Ils te prennent en charge en cas de problème. Alors déjà, c'est soumis à conditions. Alors attention les conditions. Ce qu'ils te prennent en charge, mais c'est pas 10 ans, hein, je pense que c'est, je sais pas combien, peut-être 3, 4, 5 ans, c'est la visite technique. Et la visite technique, tu dois la faire tous les ans, obligatoirement, sinon tu perds tes avantages. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on fait augmenter les chercheurs. Logique, mais vous travaillez toujours sur l'affaire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? Drone de travail, améliore sur l'île tous vos bâtiments de production. Ouais. Ouais. Unité de maintenance. Non. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ça, c'est pour les bateaux. Ah, mais dans mon souvenir, il y avait un truc... pour augmenter la... Pour détruire ces trucs-là, là. Pour retirer les centrales nucléaires. Je sais pas pourquoi. Me marier avec une femme très riche. Eh oui! Ça, c'est le bon plan. Vous travaillez toujours sur l'affaire, n'est-ce pas? Ouais, je travaille, t'inquiète. Bon, je travaille sur l'affaire. Projet de recherche de base. Tac, tac, tac. Attends, je vais aller checker. On va aller faire un tour sur Internet 2 secondes. En espérant qu'il n'y ait pas une bombe atomique qui me tombe sur... anneau 2070, parce que ça se trouve je suis en train de chercher un truc qui n'existe pas. Comment on peut appeler ça? Non, et par exemple sur cette île il n'y en a pas un. Où est-ce qu'il y en a? Je sais que... Voilà. Toi c'est quoi? C'est un...
Une pièce de missile. Anneau de pièce de missile. Attaque de l'un de vos véhicules. Ouais, le missile, tu vois, là, il est un missile. Et en fait, le missile détruit... ravage la... C'est un missile nucléaire, en fait. Et ça ravage l'écologie. Et je... Véhicule attaqué. Ouais, et comment on fait? C'est quoi? C'est où? C'est dans ce bâtiment-là? Ouais, attendez, c'est là... Ah oui, non, c'est bon. C'est dans ce bâtiment-là, alors. En fait, je me cherchais... Je me cherchais à quoi ça... Où est-ce que je dois rechercher? Parce que je sais qu'il n'y est pas. Ah ouais, je sais qu'il faut débloquer les plans, mais... Conclusion d'un traité de paix entre... C'était des types bien, bon sang. Ouais. Ils avaient une famille. T'inquiète, Hector, la famille. On est d'accord, mon bateau n'est pas détruit, hein, celui-là. Ouais, c'est bon. Comment ça s'appelle? On va faire un peu de recherche. Anneau 2070, recherche... Académie, c'est moi qui fais des recherches sur Google. Hop, je suis un vrai petit guide. Les recherches dans le laboratoire et l'académie. Voilà, c'est parfait. Tous les membres qui s'arrachent les cheveux. Les recherches. J'aurais dû regarder ça, j'y ai pas pensé. Ouais, bah c'est super. Ah la vache. Oui. Fin d'un conflit militaire entre voisins. Ça ne marche pas. Il n'y a rien. Je ne trouve pas. Ça stream hack? Pas du tout. De toute façon, comment ça, ça stream hack n'importe quoi? Ah oh là là, mais c'est pas possible d'avoir une réponse simple. Arrêt complet de la production. Qu'est-ce que j'ai tapé? Je veux juste savoir où... attendez, on va mettre le jeu en pause 2 secondes. Hop. Y a pas une image là qui serait... Ah non, il me propose des plans. Anneau 2070, j'ai pas mis 2070. Non, ça m'étonnerait parce que si tu le mets pas dans ta base, enfin, je crois pas que ça soit ça. Parce que moi, le mec de l'écho, je le mets rarement parce que je le trouve pas assez intéressant. Oui. Ah, d'accord. Mais... Bon, bah non, bah écoutez, c'est... Dans quoi ça peut être? Influence bilan écologique, ouais, mais c'est quoi que je veux... Influence bilan écologique, ça coûte combien? 20 000. Une heure? Non, une minute, vous voulez dire. Allez. Nous analysons les données environnementales de votre île. Oui, voilà, toi, tais-toi. Hein. Voilà, tu te calmes. Ouais, normalement, j'évite de mettre... normalement, je suis pas trop pour mettre des aliments dessus, mais bon, écoute... Voilà, là... c'est tellement la misère, ça. On va faire de la prod là. On va focus les tech. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Neuro-implant? Il faut quoi? Oh là là, quel enfer. Oh là là. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant.
Alors, là, maintenant, on va construire autour de ça, de ce bâtiment-là, de l'académie, pour maximiser, en fait, la curiosité scientifique. Et elle augmente... Oui, je sais. Et bah, du coup, c'est ce que j'allais dire. La durée va réduire plus j'aurai de la... plus j'aurai de scientifiques autour. Par exemple, là, je suis au maximum. 500%. 500%, c'est le max. Donc là, le but, c'est qu'on va essayer de se rapprocher des 500%. Avec, comment... Bah, en mettant, du coup, des ingénieurs tout autour. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a mis... On a mis, comment... des pompiers, on va mettre... une infirmerie comme ça. Ça rentre? Ouais, ça rentre. Alimentation en énergie inadéquate. Hop. Yop. Ouais, c'est vrai que, comme j'avais dit aussi la dernière fois, je suis plutôt team tycoon, moi. J'aime bien commencer avec les tycoons, parce que c'est vrai qu'ils ont une grosse force dès le début. Mais bon. Là. Nous sommes partis avec les techs, et nous allons rester... avec les techs, avec les écolos. Alors, on va se taper les écolos. On va se récupérer un max... de véhicule ça. Attaqué. Ah ouais, bah oui, le charbon, ça change tout, ouais, comme tu dis. Et de pouvoir mettre que des mines de charbon sans... Enfin, ne pas être obligé de poser tes mines de charbon sur des points stratégiques de minage. Alors, où est-ce qu'on peut changer? Ici, on peut changer jusque là. Ah, vous savez quoi, on est à 5. On va rajouter une petite... là. Où est-ce qu'on peut rajouter encore des éoliennes? Là, on commence à être un peu au bout. Ce qu'on va faire, alors, c'est qu'on va détruire... ah ouais, ça m'arrange pas, c'est vrai. C'est celle-ci. Toutes mes recherches complètement anéanties. Ouais. Hop. Et une petite centrale ici. Et là, voilà, on est bien. Et on va pouvoir mettre un nouveau poste d'information. J'aurais préféré qu'il soit là. Nouveau bâtiment disponible. Du calme, du calme, du calme. On est cool. Ah! Alors là, on va faire un truc. Vous êtes prêts? C'est beaucoup d'entraînement. Tac, tac! Merde, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. C'est ça qu'il me faut comme place. C'est bon. Et maintenant, on met ça. Voilà. Et maintenant, on est bien. Donc, les techs, on a découvert autre chose. Convertisseur de métal. Ah, voilà. Là, on va commencer à se marrer. Ça, c'est pas mal aussi. En fait, là, on va pouvoir aller chercher du minerai ici. Et autant vous dire que les minerais ici, il y en a beaucoup parce que c'est infini. C'est quoi ça? Le platine. Ouais, ça, c'est pour la toute fin. Donc, je pense qu'on va se taper les trois ici, là. On va coloniser les trois îles. Ici, parce qu'elles sont plutôt massives, et on va pouvoir en fait commencer à prendre
à prendre du minerai en masse ici. Oui, oui, je sais que c'est pareil, mais ça coûte de l'argent, de la micro-gestion, c'est toujours un peu... Mais oui, je sais. Ah ouais, ça file des plans ? Ah, ça, je savais pas. De quoi, quand tu fais des recherches, ça file des plans ? Ah ouais, bah tu vois. Par exemple, ici, on est à bout du gisement de fer et du gisement de houillet. Et bah écoute, on va aller... rechercher notre petit bateau qui est là. On va lui dire d'aller ici. Ouais, c'est pas des vraies heures, hein, clairement. Ah oui, oui, oui. C'est le petit bâtiment. Le petit bâtiment, normalement, tu es juste des... Non, non, pour moi, c'est... Pour moi, non. Mais peut-être, hein, après, c'est pas impossible. Il me dit que j'ai un bâtiment. Ah non, c'est mon port qui est représenté. Ici, on est d'accord, c'est que des employés. Hop, 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 hop. Donc, faut bien que je fasse évoluer que des maisons qui sont dans l'orbe d'influence dans le rayon d'influence de ce bâtiment, parce que sinon, en fait. Donc je le répète, après ils vont pas avoir accès à l'information quand ils vont passer au niveau supérieur. Et du coup ils ne seront pas heureux à 100% et donc ils paieront moins de taxes. On s'en est bien sorti, grâce à vous. Donc c'est pour ça que moi c'est toujours moi qui décide qui évolue ou pas. C'est pas je suis pas une évolution anarchique. Et ça si vous jouez au jeu, je vous le conseille parce que sinon c'est infernal, vous y arriverez jamais quoi. Alors, du charbon et du fer. Déclaration de guerre entre voisins. Ouais, non, mais c'est inconcevable. Hein. C'est, franchement, en fait, dès qu'on a compris ça, c'est le feu, le jeu change. Alors, lui, pareil, on va focus en fait un max d'habitation dans ce rayon-là. On va pas s'étendre trop là-bas non plus. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une connerie. Voici les instructions. Ça vous intéresse ? Ouais, bah ça peut m'intéresser par exemple. Ouais. Hop. Voilà, parfait. Parfait. Et du coup... Hop. Annonce d'une déclaration de guerre entre voisins. Voilà. Des raccourcis depuis le clic droit. Ça veut dire que si je clique droit, il y a quoi comme raccourci? Parce que là, quand je clique droit, il y a rien. Comment je fais par exemple? Je fais... attends, je fais genre ça. Non. Il me faut des outils. Il me faut combien d'outils? Il m'en faut 60. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Non. Hop, on peut plus les faire évoluer. Ici... Non plus. Et voilà, on est retourné dans le positif et ça c'est bon. Alors maintenant faut qu'on vérifie. On ne produit plus assez de thé.
Ah ouais, bah je verrai ça hors live du coup. Pour l'instant, ça me dérange pas de le faire. Module terminé. Recherche infructueuse. Quoi? Ah oui, d'accord. Putain, la peur. Je croyais qu'il parlait de ma vraie recherche, pas de ça. Ah, par contre, les pirates là, ils sont en balade, c'est chiant. On est d'accord, ils m'ont pas détruit de bateau, hein. Non, non, non. Non, c'est bon. D'accord, oui. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Du thé. Hop. Ouais. Du thé, du thé, du thé. C'est combien? C'est 3. Ah, ça fait peur leur truc là. C'est là, ouais. Ce petit bateau là qui est tranquille, Alerte. peinard en train de. Attaque ennemie sur l'un Attaque de vos terrestre. Bâtiments. Oh l'enfoiré. Ça va? À la cool? Alerte. Attaque ennemie sur J'ai une l'un de vos blague. bâtiments. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Avertissement. Production interrompue. Je vais vous calmer, oui. Tenez, on va mettre ça. Il va falloir rajouter une éolienne, par contre. Alors, donc, ici, on est peinard. Mon bateau, il est là, il est en train de faire les recherches. Non. Ah non, il a pas assez. Attends, mais j'ai mal compté, là. J'ai un demeuré. C'est pas 20? Ah non, c'est parce que c'est... Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends cette alerte-là. Donc ici, on attend que notre bateau ait fini avec ses explorations à la con. Là, j'aurais pas dû accepter parce que finalement, je perds un max de temps. Et c'est chiant. Toi, t'es toujours au fond, ouais, t'as toujours ta marée noire. Je peux pas commander. Ah non, c'est pas toi qui. Vous êtes-vous enregistré alors? Toi, tu me vends pas hein, des autres bateaux très marrants. Attaque de l'un de vos véhicules. Ah là là, comment il m'a piqué ma place? Ah non, d'accord. Bah, ça aurait été bien de réparer peut-être. Je dis ça, je dis rien. Ça y est, il a trouvé. Hop. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Si vous rencontrez ce navire. Ah quoique. Là ils vont me le détruire. Oh. Bon bah j'espère que ça te plaît le stream de ce soir. Et du coup ouais je voulais te demander, tu connais le jeu Rebel Galaxy?
rebelles. Comme des rebelles. Oh, t'as pas à t'excuser, hein. C'est un jeu, ça se passe dans l'espace, tu pilotes ton vaisseau et tu le fais évoluer. Bon bah écoute, je t'invite un soir à passer. J'y rejouerai lundi si tu veux, si t'es là, si tu peux. Alors, des petites maisons de tech. Déjà de retour? Vous avez terminé? Oui. Yes. Vous êtes quelqu'un? File-moi du pognon. Avez-vous... Je veux de la moula. Oh, j'ai vu, moi qui suis pas très friand de leur vidéo, j'ai regardé une des dernières vidéos de McFly et Carlito. Qui parle de comment... on monte des vidéos YouTube comment à des bonnes sœurs. Et bah franchement, j'ai passé un super moment. Donc, ouais, c'est une très bonne vidéo, je trouve. Non pas particulièrement pour McFly et Carlito, mais pour les bonnes sœurs qui ont des super bonnes réflexions sur tout ce qui est... alors, c'est très rapide, hein, on n'est pas là pour non plus pousser la réflexion. Mais franchement, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment très bien, je trouve. Donc on récupère. Hop, on va acheter ici. 16 000. Achat d'action enregistré. Tu connais pas McFly et Carlito, putain la vache. C'est des très gros youtubeurs français. Ils sont tellement gros. C'est marrant, hein. Ils sont tellement gros que le président, notre président Emmanuel Macron. A fait un tweet en disant si... Ouais, des bonnes sœurs, des chrétiennes. Ouais, non, pas des... Je sais pas d'autres bonnes sœurs. Et il y a le président de la République qui leur a fait un tweet en mode si vous me faites une vidéo qui parle des gestes barrières et qu'elle fait 100 000 likes, je crois, je fais une vidéo avec vous à l'Elysée. Tu vois, genre, pour te dire... Développement du prototype terminé. Développement du prototype terminé. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah non, c'est ça. L'île voisine est menacée par une marée noire. L'île voisine est menacée par une marée noire. Ah, quel enfer. Bon, où est-ce qu'il a pété ton bateau, là? Ah, il n'y a rien. Il y a juste un bateau qui a pété sans rien, là. Oh là là, quel enfer. Il y a deux îles qui vont être touchées par la marée noire. Ça commence à être le foutoir. Les pétroliers qui sont en train de mourir les uns après les autres, là. Hop, hop, hop. Ah, ici encore deux. Ah non. Non, l'erreur. Si tu m'aurais dit Jean-Pierre Castaldi ou autre, ça aurait été bien. Pourquoi par Jean-Pierre Castaldi? Attends, quand t'as le président de la République qui te propose de faire une vidéo avec toi, t'es quand même bien. Hein.
Là, on est passé à 304. Hein. Donc, on a bien up. On va mettre ça ici. Ça, c'est un container. Et en fait, ça va booster les réserves de l'île. Enfin, les réserves. La capacité de stockage. Voilà. Ça... Et ici aussi. Ça coûte un peu cher, mais là, on commence à être un peu juste. Alimentation en énergie inadéquate. Qu'est-ce que je n'ai plus ici? Ah, j'ai plus de trépans hein, à ce point-là. J'ai tout piqué. Avertissement. Hop. Arrêt complet de la production. Oui, bah oui, mais bien sûr, ils veulent se faire une part du gâteau. C'est pas le premier, hein. Un an ? Mais c'était pas 3 à la base ? C'était 3 ans de prison pour Sarkozy. Ah bah, moi j'ai dû 3 ans, hein. Après, ça a peut-être changé, hein, depuis, hein. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Après, c'était peut-être... Il encourt 3 ans, mais en fait, ça passe à 1 parce que... des raisons de la politique, quoi, et de la justice en mode... non, mais vous savez, en fait... vous comprenez, il m'a donné un peu d'argent. Ouais, bah oui, bah je me doute bien qu'il a fait appel, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Justement, ça m'avait... ça m'avait fait rire parce que en fait j'avais vu l'information donc un soir, enfin un jour, Nicolas Sarkozy prend 3 ans de prison. Et le lendemain, je vois, je sais plus où, une pub ou je ne sais quoi, sa femme là, comment elle s'appelle, Carla Bruni, qui dit moi j'adore le trikini, tu sais, le bikini mais à 3, enfin là en 3 pièces. Et du coup j'ai fait ah c'est marrant quand même parce que genre. De voir, ça me faisait rire, du coup, c'était, je trouvais ça marrant, le trikini, 3 ans de prison, j'ai dit, bah tiens, il va pas le voir pendant... C'est plus sa femme. Ah putain, c'est une blague. Ouais, bah tu vois, moi, il est potin. Depuis quand? Depuis... Ah putain, je savais plus qu'il c'était plus sa femme. Sérieux? Ah merde. Quand je vais raconter ça au boulot, ils vont pas me croire. Ah oui, mais par contre, ils ont pas d'activité. Je suis un trou du cul. Ça coûte combien de construire ça, là? Putain, 5000. Ça coûte si cher. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Attends. On va se la faire comme ça. Non. Hop. Ici. On a dit le laboratoire. Non, mais je vais pas raconter ça au boulot. Je pense que si c'est vraiment vrai, tous au boulot, enfin, tu sais, généralement les gens, c'est parce que moi, ça je m'en fous. À moi le prix Nobel. De toute façon, si je me plante, écoute, ça me tuera pas, hein. Allez, allons vérifier ça en direct. On va... En fait, d'un stream de jeux vidéo, on va passer à un stream de potin de star. Ah, c'est trop bien. J'adore. On a dit... Carla Bruni... Divorce. Alors, en tout cas, sur Google, elle s'appelle toujours Carla Bruni Sarkozy. Hein. Ah oui, c'est vrai, je vois ça.
Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, et maintenant le divorce. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, enfin des photos frontales... Non, on s'en fout, ça, c'est pas ça, ça c'est le... Après le confinement, voilà que les époux Sarkozy-Bruni doivent faire face à une nouvelle épreuve, le divorce. Ah mais non, pas du tout. Et franchement, les enfoirés, hein. C'est parce que tu lis la nouvelle sur Google. Après le confinement, voilà que les époux Sarkozy-Bruni doivent faire face à une nouvelle épreuve, le divorce. Point. Mais en fait, non, c'est le divorce de son cousin ou son frère, je sais plus. C'est Olivier et Mariquette. C'est Olivier Sarkozy et Mariquette Olsen. Non, 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 ils ont pas l'air d'être. T'as comme quoi, hein, tu peux vite être. J'allais dire baiser. Mais tu peux vite te faire avoir, hein, parce que. Parce que tu lis juste la petite info sur Google, la petite truc, mais en fait c'est pas du tout ça. Hein. Les mecs, ils ont juste coupé au moment où ça les arrange parce que ça fait la news. Ah, les enfoirés, quoi. Ah, ça m'énerve, ça. C'est comme ça que tu te retrouves à dire n'importe quoi parce que tu fais confiance à Internet et puis voilà. Enfin, tu fais confiance à Internet, en les médias, hein. Oui, oui, on s'en fiche. Non, mais complètement. Là, on parle du divorce de deux personnes dont... enfin, c'est pas grave, quoi. Ça va pas changer la planète, quoi. Mais... enfin, c'est comme s'ils découvraient une planète plate dans la... comment, dans l'espace, là. Une toute nouvelle planète, elle est plate. Et ils disent... en fait, la planète n'était pas ronde, elle est plate. Et tu sais, juste ça l'info, tu vois. Mais les gens, ils vont se dire quoi, la planète Terre? Ici aussi, on va augmenter les dépôts de l'autre côté. On va faire un truc un peu plus sympa de l'autre côté. Si je tourne, je peux en mettre plus ou pas? Ouais. Conclusion d'un traité de paix entre voisins. Bon, mon exemple n'était pas très parlant, je le conçois, mais quand même. L'idée est là. Vous l'avez compris avec Carla Bruni et Sarkozy. Ben, par contre, notre ami l'écolo, là, il se faisait chasser de ses îles et maintenant il a step up comme un dingue. Un baleinier est censé naviguer par ici. Vous ne l'auriez pas vu par hasard. Ouais, je pense que tu l'as détruit. Le jour où, pardon, où il va me déclarer la guerre, lui, ça va pas être marrant. Hein. J'aurais bien pris plus. Hop. On est d'accord, ici vous êtes tous en train de payer un max. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alerte. Attaque de l'un de vos. Ici, j'ai pas assez d'électricité. On est où? Hop. Ah oui, c'est parce que j'ai rajouté. Ah ouais, mais ici aussi, ça va être un peu short pour les decks. Hop. Ça sera suffisant. Fin d'un conflit militaire entre voisins. Alors, on continue de construire ici. Ici, les conditions de travail sont parfaites à 100%. Vous répondez à tous les besoins. Hop. Des assistants. Est-ce qu'on peut acheter? On va acheter. Mouvement enregistré sur le marché des actions. Alors, au niveau des alicaments, comment ça se passe? Ça monte, ça monte, ça monte. Eh ben, écoute, tout est parfait ici. Un dernier petit point sérieux pour Sarkozy. Lui, il a pris l'argent et risque la prison, alors que les bénéficiaires de la guerre ne risquent rien. Alors, à vrai dire, j'ai pas du tout suivi l'affaire. Je sais même pas de quoi il en parle. Je sais juste que c'est une histoire d'écoute. C'est ça, hein, c'est les écoutes. Vraiment, je suis largué. Ça ne m'intéresse pas, on va dire. Ça ne m'intéresse pas parce que... Oui.
Bah, de toute façon, c'est pas nouveau. Hein. Parce que tu regardes, par exemple, dans mes souvenirs, on sait que Bush a déclaré la guerre. Merde, j'ai retiré l'interface. Pour le pétrole à l'Irak. Et lui aussi, il n'a pas été inquiété. Bon, ça se passe aux États-Unis, c'est pas la France. Mais voilà, c'est pour dire quoi. Enfin, moi, je trouve ça aberrant, quoi. Ils sont bien là. Hein. Et ben on va aller coloniser peut-être une autre île. Est-ce que toi t'arrives à ramener du... Ouais, 5 c'est pas beaucoup. Il va falloir que j'augmente la production d'alicaments ici en fait. Avant d'aller coloniser une autre île. Nouveau bâtiment disponible pour la construction. Ah, nouvelle option de construction. Ah, je peux construire une centrale géothermique. Alors. Plus 750 d'énergie. Ce n'est pas utile pour l'instant. On verra ça après. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Attaque terrestre. Ah! Ah ouais, mais contre 3 tours, là, vous ne pouvez rien, là. J'ai oui, bah oui. Attaque contre l'ennemi, le vrai. Je peux vous donner quelques noms, si vous voulez. Je peux vous donner quelques noms ? Vladimir ! Vous pourriez vous rendre utile ? Ah bah oui, bah vas-y. Ça, c'est facile, ça. La dernière fois que j'ai accepté une mission de ce genre-là, qu'est-ce que je voulais dire ? Merde, ça y est, je sais plus. Ah oui, tout le monde a arrêté de faire du commerce avec moi. Ils se sont dit, bon, allez. Ici, hein, c'est bien. Allez. Hop. Je veux produire. Pénurie énergétique. Détectée. Hop. Vite. De l'énergie. Justement, on en parlait. Où est-ce qu'il y a des trous qu'on veut combler ? Ici. On est bon. Ça me fait penser à Stellaris de quoi ? Ah oui ! Là, ce que je disais, le coût du commerce. Bon, après, là, voilà. Elle-même, elle vient commerce avec nous. On a même pas de temps. Tout le temps. Ah, parler politique. Jamais joué à Stellaris. Il faudrait que j'essaye. J'aime beaucoup. En plus, j'ai vu mon frangin y jouer et j'aime bien l'aspect. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Mettre ça. Ouais, je pense que c'est un jeu qui me plairait beaucoup. J'ai mis la route. Mouvement enregistré sur le marché des actions. Où est-ce que t'as acheté ? C'est lui. Donc, là, on avait un petit bâtiment très pratique qui permet de... En fait, vous voyez... C'est marrant, ça c'est vraiment le genre de détail trop marrant. On voit ici une ruine d'une ancienne cité qui a été engloutie et nous en fait on a mis juste un truc qui vient récolter bah, les briques de cette cité. C'est un peu le côté on récupère les vestiges des anciens temps et c'est marrant. Enfin, moi je trouve ça marrant après. Tornade dans ce secteur. Ah!
V'là ta copine, le pacificateur. Tiens. Bonjour. Comment ça va? On n'y voit rien. Donc ça, c'est une tornade, les gens. C'est la merde. Donc, vous voyez, vous l'entendez à la musique, hein, de toute manière. Alors, on en était où? On fait l'abruti, mais bon, ça paye pas les impôts, ça, de faire l'abruti. Avertissement. Véhicule attaqué. Partie sauvegardée. Alors, voilà. La petite route qui va bien. Mais ça se trouve, en fait, j'avais pas besoin de construire ça. Ah oui, j'avais pas besoin de construire ça parce qu'on a déjà beaucoup d'algues. En fait, c'est plus des usines d'alicaments qui manquent. Et bah, une là. Et une là. Voilà. Plus de formules disponibles. Aboutissement du travaux de recherche. Ionisation d'exosphère. What is the ionisation d'exosphère? Oui. Mais c'est super, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Espèce de petit connard. Avertissement. Véhicule attaqué. Allez, on va enchaîner les recherches. Ah, pourquoi ils sont pas contents? Ah oui! D'accord, je vois. Ah, il faut quoi? Il me faut plus... Une véritable révélation pour aider. Il me faut plus de carbone, messieurs. Vous construisez du carbone ici, là? Non. Y a plus de pétrole. Il y a plus de pétrole ou déclaration de guerre. Je ne produis pas assez de pétrole. Il y a plus de pétrole. On va construire plus de puits de pétrole. Sauf que ici, il va plus y avoir assez d'énergie et je vais pas avoir assez de matériaux de toute manière. Donc on va chercher du matos. Alors, je viens de penser à une raison pour ne pas apparaître avec Macron gilet jaune et sans rien. Ah non, mais... ouais, non, franchement... je pense que la pub est tellement grosse et bonne que tu passes... Tu prends, hein. Honnêtement. Enfin... Moi, personnellement, franchement, je suis youtubeur, Macron, il me demande de faire une vidéo, je dis oui. Annonce d'une déclaration de guerre entre voisins. Eux, ils sont bien, eux. Ils... Ah non, d'accord. Ils font la paix, ils s'attaquent, bon. Silence. Ah, puis clairement, toi, t'es bien, là. Regarde. Le monde s'arrêterait. J'y vais. Non, j'y vais plus. Parce que c'est... En vrai, de faire une vidéo avec le président, c'est une pub de fou. Alors, on veut de l'électricité. Oui. Où est-ce qu'on peut construire une petite... Ah bah ici, parfait. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait? Je ne sais plus.
Et bah alors, là je suis scié, je voulais construire quelque chose en sous-marin. Et je ne me rappelle plus. Ah oui, du pétrole. Voilà. Un peu plus de pétrole. Parce qu'on adore le pétrole. Vieux, ils vont faire une vidéo marrante. Hein. Je pense que c'est pas du tout... Enfin, c'est des rigolos. Hein, donc, c'est pas du tout dans leur intérêt. Bon, il y aurait eu le même problème. Tu parles de Hollande. Il n'y a jamais aucun risque, il y a toujours quelqu'un pour taper. Mais de toute façon, il y a plein de gens qui ont été critiqués un peu le fait qu'ils aient accepté ça. Mais franchement, enfin, je sais pas. Moi, je sais que personnellement, je l'aurais fait rien que pour la pub de ouf que ça me ferait. Ça va me faire une super vidéo, quoi. C'est monstrueux. 17. Qu'est-ce qu'on voulait construire? On voulait construire un truc, c'est 15, et bah c'est parfait. C'est pas parfait du tout. Il m'en faut. Bon bah on va en mettre un là. Déjà, on va en satisfaire une bonne partie. Alimentation en énergie inadéquate. Évidemment. Ah mais attendez, je peux mettre ça? Ah mais oui, je peux carrément mettre ça. Là, je suis à combien, là? 367%. Franchement, j'irais bien virer ça. Ouais, ouais, on va faire ça. Alerte. Une tornade menace la zone urbaine. Regarde! Non! Non! Oh, putain, et puis elle y va bien. Alerte incendie. Mesure d'extinction requise d'urgence. Oh putain. Alerte. Important incendie hors de contrôle. Non, arrêtez, pas l'église. Pas l'église. Non, elle fait demi-tour. Ça y est, tu t'installes ici, t'es bien là? Oh, quel enfer. Tu veux pas les faire chier lui là sur son île toute pérave là? C'est votre chance. Ne me décevez pas. Ouais. Un adepte de vitesse. Production interrompue. Là, j'en ai un. Pourquoi vous faites la tête, vous? Parce qu'il n'y a plus de participation. Ah oui, ils ont détruit l'église. Non, les mecs sont quand même... C'est quand même des sacrés connards. Hein, Votre approche a porté ses fruits. Il y a une tornade qui vient d'arriver. Les mecs ils vont... s'il vous plaît, on n'a plus nos activités là. Hein, Pourquoi toi t'en as deux? Ah oui, c'est parce que là c'était des... Des usines comme ça là. Là il y avait une éolienne. Et c'est tout, hein, je crois. On n'a rien perdu d'autre. On n'est pas encore au bout de nos peines.
Alors retroussons-nous les manches et allons-y. Hop. Oh non, elle revient. Elle revient. Non, casse-toi. Ça, c'est illégal, par contre. Hein. Bon, bah voilà, vous venez de découvrir la tornade. Franchement, ça va, ça aurait pu être pire. Je sais pas ce que t'en penses, le pacificateur, mais... Mais ça aurait pu être pire. Un objet, c'est pour toi. Et tu l'emmènes à lui. Oh, attendez, attendez. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un bateau qui allait passer dedans. J'ai connu 4... Oula, attends, il y a combien ? 4 883 377% fois pire. Tu m'aides pas avec des chiffres comme ça. Alerte. Attaque de l'un de vos T'as réfléchi quand t'as des chiffres ou t'as tapé au hasard sur ton clavier ? Que dois-je dire à Madame Baines ? Vous commencez à trouver votre... Eh oui. Hop, ici, est-ce que je peux acheter une action ? L'action de l'île change de propriétaire. Juste comme ça, ouais. Je me souviens ce que je pensais, mais je me suis dit, ça se trouve... Ici, il n'y a plus de riz. Ah, ici, on produit du riz, oui. Nous devons augmenter la production de riz. La prod de riz, la prod de riz, la prod de riz... Quoi ? Non. Du coup, le riz. Pour dire que c'était hardcore comme sentiment. Ah oui, oui, oui. Le riz, c'est l'enfer hein, dans mon souvenir à chaque fois. C'est 5 en plus. Ça n'a pas de sens, hein, ça, c'est pareil. Tac, comme ça. Donc on disait le riz encore. Dommage. Je fais ça, je peux pas le décaler de 1. Non plus, hein, je suppose. Ah si. Hop. Comment ça, pas dans la zone de construction? Ah, le petit bâtard. Bah oui, ça aurait été juste trop beau en fait. Alors, encore un petit peu de riz. Ouais, encore un peu de riz. Voilà, alors ici on va pouvoir remonter le niveau de vie de ces gens-là. Hop.
vous, vous repassez en positif et vous, vous repassez en normal. Et j'en étais où ? On n'est pas encore au bout de nos peines. Alors retroussons-nous les manches et mon petit bateau, il est où ? Il est là. Il va aller chercher du matos. Donc vous avez fini de rechercher là ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour construire ceci ? Bonne nouvelle ! Ah ! Dis-moi. Très intéressant. Bonne nouvelle, la tornade, elle se balade. Ah, bien joué, trop bien. Bon bah plus que comment Ah ouais, bah tu m'étonnes. Je comprends. Il faut du sable, bien évidemment. Ici on n'a pas de sable. On peut pas. Attends. Produit de microprocesseur. Un tas de gravats. Oh, je peux construire. Oh. Avec des tas de gravats, on peut aussi construire des microprocesseurs. Et bah attends, on va faire ça là. Putain, c'est dingue. En fait, le sous-marin, c'est tellement le feu. Il nous faut quoi d'autre ? Et du métal. On va reconstruire un truc. Enfin, un sous-marin. On va prendre ça. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que Epic Games sorte un comment. Alimentation en énergie inadéquate. Une appli comment. Oui, 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 je sais, ouais. Les transports sous-marins, ouais. Mais j'ai pas encore débloqué les sous-marins. Ouais, voilà, avec les scientifiques. Et du coup, j'allais dire, il n'y a plus qu'à demander à Epic Games de faire une appli téléphonique. Et après, là, tu seras tranquille. Le temps que t'aies ton PC. Pas le bon plan, ici. Ici, c'est bien. Ah, je suis encore à moins 7. Allez, j'ai plus de... On va aller chercher là. Non, 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 je crois pas. Vérifie quand même, on sait jamais. Hein. Mais ça m'étonnerait. Et de toute façon, même s'il y avait une appli, ça serait juste une appli de chat. Donc... Avertissement. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire des transactions et du coup acheter les jeux gratuits parce qu'ils considèrent ça comme une transaction. Donc, l'ITEC, il y a combien de places là-dedans ? Il n'y en a que 4. On va recréer un navire. Et dire que de base, je m'étais dit que le taf, le tel du taf reste que pour le taf, ouais. Tu fais quoi comme taf, si c'est pas trop indiscret ? Bon, après, Oh là là. Il y a des situations qui exigent des fois des petites entraves au règlement, quoi.
Je ne produis pas assez de fer ici. Je n'ai plus assez de fer ou je ne produis pas... J'ai pas assez d'usines de fer. Je n'ai pas assez d'usines. Hop. Ah, tu fais de l'intérim, d'accord. Pendant que la tornade ravage un peu toutes les îles, j'espère qu'elle va pas passer ici, parce que sinon ça va foutre un peu de boxon. Est-ce que il va percuter les pétroliers? Qu'y a-t-il? Non. Je vous attendais. Non, non, non. C'est là-bas que ça se passe. De l'autre côté pour vous. La caméra est inversée. Par là. Oh là là. Franchement, ça serait vraiment pas de bol qu'ils viennent sur cette île, quoi. C'est bientôt fini ça. Ah, il y a des problèmes d'électricité aussi ici. Je sais qu'on avait régulé ça. Non. Hop. Ah voilà. C'est à 100%. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Il est où notre véhicule là? Oui. Mais c'est pas lui que je voulais, c'était... Enfin, je voulais que t'ailles là. Donc va falloir créer une nouvelle route. Une route. Route. Tu vas venir te mettre ici, toi. Avertissement. Véhicule attaqué. Ok, attaque de pirate, je m'en tape. Ah non, alerte. Je m'en tape pas. Attaque. Allez. Hop. Viens par là. Viens te cacher. Toi, tu t'es jamais protégé. Il est jamais protégé, ce bateau, donc on va attendre. Puis en plus, comme ça, il pourra se faire réparer. Non mais c'est une blague. Fin d'un conflit militaire. C'est une blague, hein, la tornade. Donc, on devait construire un de quoi, enfin, un générateur ici. On a dit qu'on le construisait où? Ah oui. Bah ah oui non. Oui non. Oui non. Oui non. Ici. Est-ce qu'on peut faire des beaux plans ici? Ah ouais. Franchement, je trouve que ici, pour faire des plans, c'est vraiment nickel avec les animaux sous-marins. Hop. Conclusion d'un traité de paix entre voisins. Avertissement. Arrêt complet de la production. En plus, je trouve que les trucs de corail, ça rend un effet super joli avec le rose qui diffuse là. Demain, je me prends les photos. Tes photos perso? Ouais, c'est le plus important après. Hein. Après les trucs du taf. Hein. Qu'est-ce qu'on voulait faire ici? Peut-être construire ça, neuro-implant, mais on verra ça après. Oh, qu'est-ce qu'on voulait faire? Il y avait un truc que je voulais faire, c'était... Ah oui. Générer encore plus de crédits.
se faire encore plus de moulins. Donc, nous allons construire ceci. Ah oui, mais non, mais ça m'arrange pas que ça soit sur cette île. Ça m'arrange pas. Je ne veux pas. Ah oui. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, bah après, quand tu t'es pris une claque, t'es beaucoup moins paresseux. Hein. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Alors, je réfléchis à comment je m'organise. Pénurie énergétique détectée. Ouais. Hop, hop, hop. Yop. La tornade ne constitue plus une menace. Alors, il n'y a plus de tornade, mais on n'a plus d'élec. Parce que... L'électricité, ça commence à plus... enfin, l'électricité à l'éolienne, ça commence à prouver ses limites. Qu'est-ce que je voulais faire? Me faire un peu de moulin. Donc... Pour ça, il me faut du fer et des microprocesseurs. Les microprocesseurs, ils vont arriver par bateau. Et le fer, il va arriver par là. Alors, une usine de fer. Une usine de charbon. J'espère que j'ai pas été stupide. Je ne suis pas stupide. Est-ce que j'ai d'autres trucs là? Il faut deux usines de fer pour une de charbon. Alimentation en énergie inadéquate. Hop. Donc. Et maintenant, pour faire du... Du fer, il nous faut une usine comme celle-ci. Hop. Ici, on va essayer de faire un truc joli chez les techs. Non pas que ça serve à quelque chose, mais voilà, ça me fait plaisir. En vrai, tu es vraiment modéré ou écolo par RR, par rapport... Ah oui! Ouais, moi après, j'aime bien... Moi j'aime bien me projeter dans, dans comment... J'aime bien me projeter comment... dans le jeu, comment... moi j'aimerais que la ville, elle soit vraiment... Coûte combien ça? 500. Voilà. C'est vraiment de l'argent quoi. Pénurie énergétique détectée. Alors quoi, ça ça coûte. Coupe. Ah cette blague. Non mais casse-toi toi. Ça coûte de n'importe quoi. Avertissement. Production interrompue. Baisse générale de la santé de la population. On a une épidémie. Où ça? Ici. Vous êtes sous l'hôpital? Oui. Ah mais oui, je me rappelle. On avait dit qu'on devait aller chercher du bois. C'était ça le truc qu'on avait dit. Hop.
Ouais, après ça se trouve c'est toi qui est dans le bon, hein. Et moi qui suis dans le qui suis à la ramasse. Qu'est-ce que je voulais faire? Rajouter une ville. Enfin, une ville. Nouvelle route commerciale, nous allons l'appeler. Je sais pas. Minerai. Hop. Hop, pour l'instant, on rajoute un navire. C'est le Sirène qui est ici. Tu vas me charger. En. Microprocesseur et tu vas me décharger en microprocesseur pour l'instant. Par contre, j'ai l'impression qu'ici ça produit pas de microprocesseur. Pourquoi donc? Vous devriez peut-être faire une pause. Dans une heure, je fais une pause, mon gars. Parce que je suis un trou du cul. Voilà. J'aurais dû en avoir bien plus et j'ai pas. Oh là là, quelle misère. Avertissement. Véhicule attaqué. Aboutissement de la recherche. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La santé de la population est stabilisée. Combustion en lit fluidifié à la pression atmosphérique. Oula, alors là, attention. Oh, mais. Il m'énerve. Avertissement. Véhicule attaqué. Bon, est-ce qu'il y a une épidémie? Quoi? Épidémie sous contrôle. Ça marche. Bah, vous allez me refaire encore un bilan écologique là. Allez. Oula, par contre, je suis passé à 41 là. Il s'est passé quelque chose ici, personne n'est content. Ah, mais oui, mais attends, vous êtes comme ça là. Oh, tout l'argent que j'ai perdu. Bon, il y en a forcément, même si c'est deux styles de jeu différents, il y en a forcément un qui est plus optimisé que l'autre. Après, je suis d'accord, là on est. Attaque on est bien, pas sûr de l'optimisation au poil de cul. On s'amuse quoi. Avertissement. Alors. Attaque ennemie du bâtiment. Non. Non. On avait dit qu'on irait chercher du bois. Hop. On prend du bois. Et on prend. Du matos. Oui, je me rappelle de tes villes. Oui, c'est vrai que toi, tu étais plutôt. Mais je parle plutôt de comment. De tout ce qui va être. Excuse-moi. Tout ce qui va être optimisation des îles avec les ressources. Annonce d'une déclaration de guerre entre voisins. Alors, comment ça marche ça? À quoi ça ressemble? Ça coûte combien déjà? Alerte. Attaque ça de coûte l'un du carbone. De vos véhicules. Bah, putain. Tant pis. Par ici. Donc on a dit qu'on détruisait l'hôpital. Et qu'on allait construire cette chose. Et voici. Et voilà. Et là, beaucoup d'énergie. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va reconstruire un hôpital, mais un peu plus loin. Ici. Ah ouais. C'est ici que je vais le construire. Déclaration de guerre entre voisins. Hop. Hôpital. Hop. Ici. Non, ici. Et voilà. Ouais. C'est vrai. Efficient au possible, quoi. Avec une grosse efficience. Qu'est-ce qu'il nous propose, là, comme... Donc, il nous propose satisfaire les besoins d'information de toute la zone. Rien de plus. Satisfait le besoin d'information, réduit la croissance, augmente les revenus. Ouais. Augmente la productivité des recherches.
C'est pas mal ça, évite tous les problèmes. Augmente l'espace de vie, ça c'est fort. Ah ouais, mais moins 95. Alors, on était à combien là? Là on est à 500, là on est à 500. On peut monter plus? Non, ça ne sert à rien. Et si je fais ça? En fait, on passe... 1600, ouais, au milieu de 1449, ouais, quand même, hein. On gagne 200 personnes. C'est fort. Avertissement. Production interrompue. Et là, on peut le mettre aussi? Non, pas encore. Donc là, on est bien au niveau énergie. On commence à produire des missiles. Ah bah alors là, ça y est. Donc là, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on se lance dans le commerce. De missiles. Et ça, ça va nous faire un max de pognon. Action neutre, achetée. Action neutre. Ouh, sur quelle île? Aïe. Nous, on peut pas encore l'acheter, ça coûte 24 000. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Eh ben, on va attendre un peu que l'argent augmente. Les scientifiques affluent dans la ville. Dès qu'ils ont fini, on va les passer en... À la bonne heure. Eux, déjà, on peut les passer comme ça. Ça va nous faire un peu plus d'argent. Mais surtout, eux, dès qu'ils ont fini d'évoluer, on les fait passer en calme. Ce qui va nous augmenter, du coup, un peu les revenus. J'ai dit pourquoi? Ah non, 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 sûrement je devais dire pourquoi sur autre chose. Ouais, non, mais ça, je comprends bien. Pareil, hein, moi, au bout d'un moment, c'est juste que je trouve que comme les décos, elles coûtent cher, j'y prête pas du tout attention au début. Mais par contre, après, moi, j'adore aussi décorer les îles pour que ça fasse des trucs hyper stylés. Hein. Non, non, ça, pour ça, on est pareil. Bon, vous venez, là? On en est où des besoins ici? Mode de vie. Ouais, pas assez, hein, ça. Enfin, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Du verre. Avertissement. Véhicule attaqué. Tac. On n'a pas assez de microprocesseurs. On produit du sable. Et pour construire des microprocesseurs, il nous faut du sable et du cuivre. Est-ce qu'on a du cuivre en rab? On peut construire une usine de plus. Une usine avec ça. Alimentation en énergie inadéquate. Plus d'énergie, une petite éolienne? Vous voulez pas une petite éolienne? Et voilà. Ça c'est ok. Alors où est-ce qu'on va aller se diriger maintenant? Eux on s'en occupe pas. Faudrait que je fasse ça. Les neuro-implants. Et ben on va s'en occuper. Ça c'est sous l'eau. Ouais, ça se passe sous l'eau. Il faut quoi? Je suppose qu'il me faut du carbone. Ouais, carbone, carbone. Est-ce que j'ai du carbone ici? J'ai 23 de carbone, ça devrait être bon. Alors. Jouer à la guerre, vous adorez. Sauf quand vous perdez. Mais c'est toi qui m'as attaqué, bonhomme. Ouais, moi aussi, je faisais des sales îles à fond. Même, mon gros truc, c'était de faire un max des îles hyper productives, genre avec plein de trucs, genre un peu dégueulasses. Mais de compenser à mort avec des trucs qui faisaient de l'écolo. Et en fait, c'est des îles dégueulasses avec un bilan écologique hyper fort.
Alors, il en faut combien? 4. C'était pas un combat à la régulière. Les médias sont jamais là au bon moment. Il m'embête, hein. Les médias ne sont jamais là au bon moment. Genre, le gars, c'est un pirate, hein, clairement. Et le gars, il dit, ouais, c'était pas OK. Quand je t'ai attaqué à 10 contre 1 la dernière fois, ça, c'était bien. Et là, les médias, ils étaient pas là. Pénurie énergétique détectée. Voilà. Les fermes, ça devrait tous ressembler à ça, là. À des trucs comme ça. Avertissement. Arrêt complet de la production. Alors, de l'électricité, il nous faut encore. Ouais, on va en mettre ici, ici. Alors, on va attendre que les fumoirs soient inactifs. Par contre, il faut rajouter aussi sur tech. 1, 2, 3, 4. On est d'accord. Ouais, on avait dit que c'était 4 hein, le maximum. Hop. Et toi, la tech? Oui, il est déjà full. Il est déjà full. On va se servir de minerai pour ramener aussi. C'est quoi? C'est ça. Neuro-implant. Non. Et ensuite, on va pouvoir faire évoluer les attaques de pirates. De l'un de vos véhicules. Oh, il m'embête. On va pouvoir faire évoluer les techs et maintenant on va s'occuper des échos en attendant. Alerte. Ça c'est une galère ça. De l'un de vos véhicules. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Non, toutes les mines sont prises ici. Avertissement. Véhicule attaqué. J'ai la certitude qu'on est sur la bonne voie. Réfléchissons. Et c'est quoi le truc qui te saoule chez les écolos? Toi, je veux bien que tu reprennes le chemin. Ouais. Ouais, pour l'écologie, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mazette, où j'en étais? Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. Ah oui, voilà. On va faire un convertisseur de métal. Les instructions de la mission. Je prends. Donc, ici. J'aimerais que vous me fassiez... ça. Oh, il faut du... Ah, je peux pas. Oh, l'enfer. Est-ce qu'il y en a qui le vendent? Qu'est-ce qui vous amène? Non. Personne vend du trépan. Vous vouliez me voir? Non. Alors comme ça, vous n'avez pas oublié Eden Initiative. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu dois vendre du pétrole, toi. Bah, oui. Aucune autre compagnie ne travaille avec autant d'efficacité que Sop. Alors, bon, déjà, on va aller voir. Ah oh, bah c'est super, c'est à côté en plus. Si vous échouez, ah, nous n'irons tout quelle galère. En fait, là, j'aurais bien voulu faire ça. Sauf que il me faut le produit là, le sorte de petit cristaux bleu qu'on trouve sous l'eau.
Oula, mon bateau, par contre, il prend cher, là. Hey, Hector, franchement. J'ai besoin de quelqu'un sur qui vraiment compter. Voilà, les instructions de la mission. Dis, avec le brevet, tu veux dire la centrale ? Si vous échouez, nous nierons tout. Ou la nuque. C'est quoi ? C'est quoi les risques, la diminution de risque sur la nuque ? Quand tu utilises la nuque, c'est mort. Enfin, ça fait une bombe. Vous avez pris de gros risques pour le groupe. Salut. Merci. Allez. Avertissement. Arrêt complet de la production. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, la centrale, ouais, on est d'accord. On est bien sur la centrale. Du coup, je vais devoir me débrouiller sans. Je vais devoir faire autrement. Salut Miyasana. Ça va bien ? On est d'accord, je peux pas construire ça. Hein. Ah si, je peux peut-être. Attendez, parce que ça se trouve, je me suis mis des... Je me suis fait un blocage. Mais... Alimentation en énergie inadéquate. Mais non, mais je pouvais, ouais, tout simplement. Bon plan. Merci, Miyasana. Ouais, c'est cool, hein. T'aimes bien. Ça me fait plaisir. On charge du cuivre. Non, pour tech. On charge du cuivre. Il est où le cuivre ? Il est là. Ici, on décharge le cuivre. Pourquoi Lucie ? C'est écrit ses derniers followers. C'est la dernière personne qui m'a follow. Et je sais pas si t'étais là la dernière fois que j'ai joué à ce jeu-là, mais c'est un jeu de gestion, ça. Et bah voilà. En fait, l'idée, c'est que on est sur un... Alors, on est dans le futur, on est en 2070. Et l'eau de la planète Terre a monté. Ouais, de gestion et de jardinage. L'eau de la Terre a monté et en fait... il y a eu une montée des eaux, ce qui a noyé une partie de la planète. Et nous, en fait, on est des colons qui débarquons dans des zones insulaires pour installer notre zone d'influence selon vers qui on s'est engagé. Donc là, on s'est engagé vers les écolos. Donc notre but, c'est de produire un max, d'évoluer tout en ne gâchant pas la nature. Ouais, c'est sur Terre. Et du coup, il y a une partie qui se passe là sur les îles. Tu vois, là, c'est par exemple, c'est une cité. Les écolos, ça fait du jardinage. Il y a une partie qui se passe du coup sur Terre, sur les îles. Et il y a une partie... qui se passe du coup sous l'eau. Parce que du coup, vu qu'il y a une grosse montée des eaux, et bah on a appris à se servir en fait des zones sous-marines. Hop, et voilà. Et c'est un jeu assez cool, assez tranquille, super joli. Ça plante les toits des immeubles. Bah là, ma ville écolo, elle est ici, là. Hop. Je sais que c'est plus difficile qu'il n'y paraît.
Regarde, tu vois cette dame qui est hyper contente d'être là. Elle fait du trampoline à la télé. Regardez comme l'eau est claire. Je sais que c'est alors que contre nous, on a les méchants. Bon, les méchants qui se font casser la gueule, mais là, regarde les méchants avec leurs usines de pétrole là. Qui font kutch kutch kutch. Et leurs usines et leurs excavatrices. Ah, ça me fait moins quand ça fait moins terrible hein, quand on saute sur les mots. Ah oh, c'est dur hein. Voilà. Attention, santé critique de la population. Non je sais pas obligé. Je suis pas obligé de les faire exploser, je peux. Toi, t'es pas dans la zone d'influence de mon hôpital, par contre. Et tu vois, il y a le coronavirus aussi. Hop. Et hop. Il n'y a pas de travail dans le futur ? Comment ça ? Avertissement. Bah si, déjà, par exemple, tu peux aller bosser à l'hôpital. Après, par contre, le futur, ils aiment bien les petites cases, parce que là, nous avons, tu vois... attends, où est-ce qu'on pourrait voir ça sur une seule image ? Non, on peut pas. On peut pas sur une seule image. Donc, là, nous avons les maisons... tu vois, il y a deux types de maisons, là. Tu vois, il y a deux types de maisons. Et là, nous avons les maisons des ouvriers. Ensuite, là, nous avons la maison des employés. Alors, est-ce que les ouvriers ne sont pas des employés ? Ça, telle est la question. Et ensuite, ici, nous avons les maisons... Ah, au revoir, Yana. Des ingénieurs. Voilà. Donc, c'est très petite case. Hein. Ça veut dire que si t'es pas ingénieur, t'as pas le droit d'aller vivre dans les belles maisons. Pas étonnant que tout le monde veuille s'installer ici. Notre belle ville. En fait, si tu veux, la grande différence du jeu, c'est que t'as deux factions. T'as la faction des écolos qui est vachement... là, par exemple, t'as là-haut, là, tu vois, t'as moins 40. J'ai un bilan écologique de moins 40, ce qui n'est pas beaucoup dans le négatif, mais c'est quand même dans le négatif. Et ils sont très touchés, par exemple, là. On voit leur jauge de bonheur, ici. Et ils sont très touchés par l'écologie. Ouais, rien n'a changé. Ah oui, non mais attends, il y a une partie de la Terre, hein, sinon on est resté sur les mêmes bases, hein, qui est passée sous les eaux. Et du coup, en plus d'influencer le bonheur de mes colons, je vais appeler ça mes colons, ça va aussi agir sur la rentabilité de mes fermes. Ici, par exemple, le risque épidémique est sous contrôle. J'ai une centrale nucléaire des temps anciens qui traîne. En fait, c'est une pollution résiduelle des temps anciens qui me fout en l'air mon bilan écologique. Et ce qui fait que là, par exemple, ma ferme, elle tourne à 42% parce que le bilan écologique négatif de cette île réduit la productivité parce que le sol est acide. Voilà, donc faut jouer avec ça. Et à côté, bah, il y a des ressources, il y a de l'argent, il y a de l'électricité pour chaque île. Donc faut essayer de gérer tout ça et de faire évoluer au mieux. À côté, là, tous les points rouges, là, ceux-là, là, c'est des pirates qui s'attaquent à mes bateaux. Et ici, on voit que, par exemple, on voit mes routes commerciales en fait, qui permettent d'alimenter automatiquement si je leur donne un bateau mes îles. Avertissement. Véhicule. Ah bah, de l'électricité avec les échos, c'est vite dit. Il y a des éoliennes partout. Hein. Là, tous les ronds bleus, c'est des. Non, c'est pas celle-là où il y en a le plus. Peut-être celle-là. Là. Non. Attends, c'est où ? Ici peut-être ? Où est-ce que j'en ai mis un max là où je pouvais plus en mettre ?
Ah oui, non, d'accord, c'est parce que faut que je fasse ça. Alerte. Attaque de voilà, l'un c'est ça. De tous les véhicules. Ronds bleus, là, c'est des éoliennes. Ah ouais, bah ouais, les pirates, là. Regarde, les pirates, ils vivent là. Bonne nouvelle. La marée noire a été circonscrite. Voilà. C'est les pirates. Ils sont pas bien là? Et donc, là nous allions, avant que tu arrives du coup, nous allions chercher à faire évoluer donc nos chers employés en ingénieurs. En augmentant en fait leur qualité de vie. Alors là par exemple ils ont des besoins. Plus de formules. Et du coup tout est vert. Quand tout est vert, je peux les faire monter d'une classe. Alors attends, ça par contre, on revient par ici. Donc nous avons découvert l'absorption biologique. C'est quoi l'absorption biologique ? Améliore l'ensemble des sites de traitement des eaux usées de ce secteur. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je voulais. Les scientifiques affluent dans la ville. Du moins, si on en croit les infos. À la bonne heure. Alerte. Attaque de. Ouais, c'est un peu ça. C'est genre une promotion. C'est un peu ça. Bon, en fait, c'est. Enfin non, c'est pas genre une promotion, c'est plutôt eux qui me disent comme on est heureux, on veut bien. C'est bizarre. Comme vous nous fournissez. Non, voilà, c'est ça. Excuse-moi. En fait, c'est plus comme les gens d'avant sont heureux, il y a d'autres gens qui me disent si vous faites évoluer, si vous nous proposez des habitations à notre niveau, on veut bien venir vous rejoindre. Ouais. C'est plutôt ça comme ça qu'il faut le prendre. Mais le problème, c'est que j'ai des problèmes de ravitaillement. C'est vrai, c'est là le problème. Vous en tirerez un petit quelque chose, vous aussi. Une feuille de route Global Trust. Qu'est-ce que c'est ça? Non. J'en m'en fous. Espérons que cela nous avère. Voilà. Lui là, celui qu'on vient de voir, c'est Vladimir Sokov. C'est un Russe qui adore le pétrole. Voilà, parce que c'est pas du tout cliché, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Les petites cases. Hein. Donc on en était. Il nous faut plus de cuivre. Nous ne produisons pas assez de cuivre. Toi, tu m'amènes du cuivre ? Eh non. Voilà, c'est ça. C'est que tu m'amènes pas de cuivre. On va faire ça autrement. Minerai. On va rajouter une station, c'est ça. On va la mettre entre les deux. Tu charges du cuivre et tu décharges... décharge du cuivre ici. Et ouais, il y a du coup les écologistes, comment on pourrait l'action appeler ça, de l'île change de propriétaire. Les tycoons, c'est ceux qui produisent, ils s'en foutent de l'écologie. Et il y a les chercheurs en fait, ceux qui sont pro-scientifiques. Tels sont les habitants du futur, ouais voilà, et t'as pas le choix. Et parmi les chercheurs, pour l'instant, nous avons donc les assistants de laboratoire, qui ressemblent étrangement à Ruquier. Je sais pas pourquoi. Et les chercheurs qui ont des lunettes un peu plus stylées et un peu plus d'argent, donc des lunettes de mode. Voilà. Le chercheur s'habille en Prada. Donc ici. Vous avez vu ce reportage à la télé ?
Est-ce qu'on a vu sur... Ouais. On va essayer de faire monter le... comment... On va essayer de les faire monter d'un niveau. Ouais, c'est steampunk propre. Hein. Ah mais non, mais quoique, non, non, la steampunk c'est propre. Non, excuse-moi, j'étais, je confonds avec, j'avais l'image du dieselpunk où c'est un peu, genre, l'anarchie. Les hommes d'affaires. Oui, ouais, je sais pas si on pourrait vraiment appeler ça que des hommes d'affaires. Ah, ils vont monter bien niveau, là. Tant que vous tenez les rênes, on n'a rien à craindre. Vous êtes assez heureux, là, pour passer de niveau supérieur. Et par exemple, en fait, la tête... Dans ta tête, les steampunk, ils puent. Non, c'est parce qu'en fait, je pensais au dieselpunk. Et dieselpunk, c'est plus l'ambiance... quel film, dieselpunk... En fait, dieselpunk, c'est un peu Mad Max. Voilà, Mad Max, c'est clairement dieselpunk. Tu vois, je pensais à ça. Et du coup, je me suis dit, waouh, un peu cool pour des dieselpunk. Alors que non, steampunk, justement, c'est plutôt propre sur soi. Non, bah écoute, tant mieux pour vous. J'arrive pas à m'y faire. Hein. Le mode de vie n'est pas assez bon. Faut que je jette encore. Faut que j'augmente le niveau, la fabrication de tablettes. Ça a toujours, dans toutes mes parties, ça a été un problème. Hein. La tablette, j'arrive pas à la production, elle est trop lente, quoi. Qu'est-ce que ça produit là? Ah oui, là, ça produit du verre. Regardez le nombre d'usines que j'ai de tablettes et ça marche pas, quoi. C'est incroyable. Avertissement. Véhicule attaqué. Avertissement. Production interrompue. Alors... Je produis pas assez de charbon. Quel enfer. J'ai lancé la nouvelle recherche ou pas? Avertissement. Tac, 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 c'est ici. Attaqué. Oui, j'ai lancé la nouvelle recherche. Ici, en fait, ça me permet de découvrir des nouveaux trucs à fabriquer qui sont très forts, en fait. Déclaration de guerre. Et dans mon souvenir, en fait, il y a moyen que je puisse supprimer la centrale nucléaire endommagée ici. Ce qui ferait que ça ferait un boom sur mon bilan écologique et du coup, mes fermes seraient beaucoup moins impactées par le bilan écologique négatif. Voilà, c'est ça un peu ce que j'ai en tête depuis un moment. Les écolos, ça roule en vélo, les intellos en voiture électrique et les tycoons en Ferrari et BMW. Voilà, si t'avais pas compris le pacificateur, je pense qu'il ne croit pas trop en la philosophie écolo. Alors, ici... non, c'est pas mon île. Avec le pacificateur. Alors, vous avez envie de devenir écolo? Annonce d'une déclaration de guerre entre voisins. Hop. C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est pour éviter, parce qu'on va en avoir besoin bientôt. On va aller chercher du verre. On va aller construire ça. Et on n'en a pas besoin de plus. Hop, on récupère tout le verre.
Parfait. Une bonne affaire, ça intéresse quelqu'un ? Hop, et on va le ramener ici. Alors là, on a le vieux une Ferrari électrique. Pas mal. Là, on a le vieux renard, le vieux loup de mer là qui arrive avec son porte-avions customisé. Et lui, c'est le super vendeur. Il apparaît de temps en temps sur l'île. Il a un bateau un peu trop stylé, mais... Oh, il a des petits moutons en plus. J'avais jamais vu qu'il y avait des moutons. Le mec, il élève des moutons sur son... Et des porcs aussi. Et des poules aussi. Ils font des combats de poules. Et c'est un anarchiste. Apparemment, il aime bien la moustache. Alors, voyons voir ce qu'il a à nous vendre. Eh bien, regardez ça. Pas des trucs qui nous intéressent. C'est la grosse dame. Je regarde juste ce qu'il vend. Non. Ça nous intéresse pas. Le mode de vie qui descend toujours là, c'est usant. On va voir, attendez, parce que ça peut être intéressant de voir ce qui... Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Attaque terrestre. Ok. Là, tu vois, il y a les pirates qui s'attaquent... Ils sont approchés un peu trop près de mes tourelles de défense, et du coup, bah... Bah, adios, là. On va pas le voir couler, mais... Mais il a laissé des débris derrière lui. Oh, les vieilles Ferrari, il y a des Ferrari, elles sont un peu trop rétro. Et pourtant, c'est des voitures que j'adore. Hein. Hop, on va laisser se faire réparer là. Ou quoique, non. Vas-y, reprends ta course. Pourquoi t'es en pause? Qu'est-ce qu'il fait? Reprendre le voyage. Vas-y. Allez. Au boulot. Bah pourtant, il y a une surface de réparation ici. Pourquoi il se fait pas réparer? Les voitures dans le jeu sont volantes, comme dans le cinquième élément. Ah oui, le cinquième élément. Trop bien. Avec Ruby Road. Le problème de ce film-là, c'est que je l'ai trop vu. Du coup, je peux plus le voir. Là, on est un peu en attente, en attendant que les mecs se fassent un peu de... remplissent un peu les stocks. Et dès que ça sera bon, on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Par contre, j'ai toujours pas vendu de missiles. Je suis en train de me gaver de missiles, là, on est d'accord. Hein. Ouais, de me gaver, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais... Mais ouais. Ouh, par contre, ouais. J'ai plus assez... stop. On va arrêter cette route. Que fait consommer un max de pognon. De trucs dont j'ai besoin. Sur l'un de vos bâtiments. Oh, ici, il n'y a plus assez d'électricité, sérieux, j'ai pas vu.
Je peux pas en mettre une là. Je peux pas en mettre une là. Ici. Allez. Alerte. Attaque de l'un de vos véhicules. On en est où du cuivre ? Le cuivre, ça baisse. Avertissement. Arrêt complet de la production. Hop, on va mettre... Une nouvelle usine de sable. Bon bah voilà, c'est dommage que ça prenne autant de temps. J'aurais bien voulu... Oh mais non, mais le mode de vie, il descend. C'est une blague. Il devrait augmenter, j'ai tout fait pour que ça augmente et ça descend. Au pire, on va créer une autre production de... Ouais, c'est ça qu'on va faire. Hein. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Attendez, je réfléchis. Je sais ce qu'on va faire. Ah. Alors, on va aller coloniser cette ville, cette île. Cette île ou pas? Ouais, et ici on a quoi? On a un. Un. Deux. Et ici on en a combien? Un. Ok, celle-là. Alors, en fait, là, du coup, le but du jeu, c'est ça, mon avis. Ouais. Le but du jeu, ça va être... Enfin, le but du jeu. Le but de mon de ma venue sur cette île, ça va être de construire... Donc, de coloniser cette île et de s'en servir comme zone de production. Elle est un peu loin, mais elle est assez grosse et on va pouvoir produire pas mal dessus. Et c'est parti. Et ça va être une île qui va nous rapporter pas mal. En fait, déjà, elle va nous aider à... Ah oui, j'ai pas de... Elle va nous aider à construire comment... Elle va nous faire pas mal d'argent, on va s'en servir pour faire de l'argent. En revendant les trucs des scientifiques qui coûtent pas mal de... qui coûtent pas mal cher. Et on va aussi pouvoir construire des recycleurs électroniques qui vont... renforcer la productivité de cette île qui nous... véhicule détruit. Chiant, ils sont emmerdants au possible. Pirate à la con. Avertissement. Véhicule attaqué. Ah, les pirates, ils se sont réveillés là. Où est-ce que j'ai perdu mon véhicule? Ici. Oh, c'est merdique. Ouais, après, c'est vrai que du coup, je lis ce que vous dites. Pour streamer, il faut un PC assez costaud. Véhicule attaqué. Après, pour du anneau, ça va.
Alors, on avait dit qu'on voulait Global du carbone. Hop. Marée noire dans cette région. Marée noire. Encore ? Ah. On va aller chercher ça après. Hop, sur toi, on charge. Partie sauvegardée. Nouveau véhicule. Nouveau véhicule, on le remplace sur celle-là. C'est Dauphine. Hein ? Ah non. Non, 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 non. Hop, c'est sur légumes qu'il faut. Très bien. Pénurie énergétique détectée. Hop, il n'y a plus d'énergie, on le savait. Avertissement. Production interrompue. Non. Voilà. Ah non, putain la vache, qu'est-ce que ça consomme en énergie ça ? Enfin, ça déconne zéro, hein. Et voilà, on va produire donc des recycleurs. Et il y a notre ami Minerai qui va faire un tour en plus. Tac. Qui va charger. Qui va charger aussi en minerai. Ils sont où ? Qui va se charger en microprocesseur. Alors attends. Non, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on veut faire. Tech. Bah non, mais on peut pas. Attendez, il y a un problème dans mon calcul là. J'ai une demande de prendre 5 trucs, c'est pas possible. Il y a un truc qui ne prend plus du coup. Et lui, j'en demande 3. Et bah écoute, tu vas me charger du pétrole. Tu vas décharger le pétrole. Et toi. Parce que les bateaux n'ont que 6 places, donc ça ne peut pas marcher. Hop, pétrole. Et tu me décharges le pétrole, on sait jamais si t'en as. C'est bon. Ben voilà. Bon bah écoutez, on va être sur la fin du stream. Je vois que l'heure approche doucement. Cette mission ne sera pas une partie de plaisir. Non. Eh bien, pas de mission. Donc bah écoutez, moi j'ai passé un bon moment, un petit moment cool sur ce stream. Merci, merci EAV Studio. Ouais, c'est l'heure de la fin. Bah, je vais dire au revoir à YouTube. Salut YouTube, on se dit à la prochaine fois pour la suite de Anno, si vous voulez suivre cette aventure, ou sinon sur d'autres jeux. Bisous, bisous.